Bonjour à toutes et à tous, ici Jacob pour vous servir, et aujourd'hui une promo pour la suite de notre let's play sur Pokémon Épée en Wonder Challenge. La dernière fois, nous avons, pour la première fois, perdu un Pokémon. Merci Nabil, Rip Papulillon, à jamais dans nos cœurs. Mais en tout cas, là, on doit s'attaquer à la tour Chéroz. Je vous rappelle que Tarak a été enlevé, ou on peut dire ça comme ça, par Chéroz. On n'en sait pas plus, et on va découvrir ça. Ouh. Oh. Hey, ils mettent le budget dans les animations. Alors, c'est plutôt grand comme escalier. Hein. Ça sert à quoi d'avoir un escalier? L'ascenseur le plus long du monde. Ça sert à quoi d'avoir un ascenseur aussi grand? Pourquoi on s'arrête? On n'est pas encore arrivé au sommet. Eh ben, bien sûr, il y a des dresseurs. Vous êtes des challengers, n'est-ce pas? Nous vous remercions pour votre participation au défi des arènes de la Ligue de Galar. Cela étant dit, la position de badge nous donne en aucun cas le droit d'être ici. Alors, du bol et les mobs. Nos ascenseurs sont tellement high-tech qu'on peut même y faire des coureurs Pokémon. Merci Macrocosmos Construction. Non, je répète, hein, c'est vraiment pas une bonne idée. Hein. On a toujours la musique et je la trouve vraiment vraiment cool. Alors, qu'est-ce qu'on a en premier? Trioxyde pour des Pokémon de type acier. Bah c'est nickel. Et on fait équipe avec... Ouais, voilà. Avec celui dont on ne doit pas parler. Ah mais oui, la lévitation, je suis stupide. Cela étant dit, je m'en souviens pas du tout, donc... Ok. Oh, paralysie pour toi. Bon, ça c'est pas cool. Stridoson. Et câlinerie. Câlinerie ? D'accord. Non, bah ça devrait aller. On va commencer par tuer donc. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'il fait avec. Avec Kalinari ce Pokémon, sérieusement. Plaquage. Ça sert à rien. Mur de fer, il va augmenter sa défense brute, oui. Mais bon, il est au type psy donc il craint notre Vibroscure donc on devrait en faire qu'une seule bouchée. Allez, le Vibroscure qui part. Et ça le tue forcément. Un coup critique. On n'a pas joué. La petite animation sympathique. Ok, bon, vu qu'on a perdu, vous pouvez rester ici, mais prenez-nous de pas déranger Monsieur Chéroz, il a beaucoup de travail. Les ascenseurs de la tour ne sont en fait que des plateformes sans parois qui montent et qui descendent. Et pour éviter les accidents, elles sont entourées de murs de lumière. Ils sont forts chez Macrocosmos Construction. Ok. Les employés de la tour peuvent arrêter l'ascenseur quand ils le veulent. On met des semaines à atteindre la sommasserie. Ou alors ils peuvent juste nous bloquer l'accès complètement. Nos équipes sont bien bavées, je vais les soigner. J'ai eu du mal. Là, il se marre sur le fait qu'il ait tué un de nos Pokémon, hein, je le dis tout de suite. Hein. Regardez-le, il le narre. La chère soif fait 300 mètres de haut. Vous êtes actuellement à 150 mètres du sommet. Bonjour, je représente Macrocosmos Assurance. Connaissez-vous nos assurances vie? J'en veux bien une. Un cri qui a mis une loi, ils ont plus des Pokémon assis ici, ça. Heureusement, il a soigné nos Pokémon. Le débile. Intimidation, ça, on s'en fout. Allez, Vestibule. Parce qu'il est des types fées. Ça pourrait être un danger. Allez, ça part. Ça a l'air de monter niveau 35. Et il connaît que cette attaque, la cage, lui. Ça fait pas mal quoi. Alors, on peut envoyer son pire but. Ça attaque en plusieurs fois, ouais, cette attaque. Ça fait mal la vache. Après, mon mouflon est vraiment mauvais comme Pokémon. Est-ce que je vais pas me faire encore voir et il aurait pas lévitation? Bon, envoyer le Vibroscure, ça devrait tuer largement. Largement. C'est pas l'évolution finale de Click donc ça va. Le level 66 est atteint. C'est nice. Et
dire qu'à Macrocosmos Assurance, c'est moi qui ramène le plus de clients. En vrai, j'ai un peu le vertige. J'aurais dû prendre mon assurance défaite. C'est un peu stupide, ils auraient pu juste arrêter l'ascenseur et c'est bon, on n'aurait pas pu accéder à chez Rose. Je m'en fous, tu. Notre personnage s'en fout que Nabil parle. Si c'est à droite, ça doit être les derniers. Vous êtes très proche du sommet, mais votre petite vadrouille s'arrête ici. Dommage. Le vertige, je connais pas. L'altitude, c'est mon dada. Je bosse pour Macrocosmos Air. Macrocosmos Assurance, Macrocosmos Air Construction, Macrocosmos Air. Qu'est-ce qu'ils font pas? Un Limonde I2. Un petit. Oh, lequel est le plus dangereux, hein? Stylix, hein, clairement. Clairement, c'est Stylix. A savoir que. On m'en a donné un, donc je peux la caisser. L'immonde de Galar, lorsqu'il est chromatique, donc il a une couleur différente de celle que là vous avez en face de vous, il obtient la. Coup de jus. Non, c'est pas. Si, c'est bien ça ou pas? À 80 quand même, oui, c'est pas mal. Oui, fortune. Je disais, oui, l'immonde de Galar, lorsqu'il est shiny, il obtient les couleurs des l'immonde de la région d'où il vient normalement. C'est marrant comme principe. Le plaquage. Il tente un rebond. Il va être intouchable. Ah, c'est embêtant. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en attendant? Parce que de toute façon, ça sert à rien. On est plus rapide que lui, donc de toute manière, on aura attaqué un peu dans le vide. Le rebond. Ça fait pas très mal. Merde, bon, il était Uriforce. Il est plus rapide. Ah oui, on est paralysé. Pas mal. Ok, ça devait être les derniers, on devrait atteindre le sommet maintenant. Prenez pour qui à vouloir débarquer dans le bureau du président sans rendez-vous. Seuls les 4 sont autorisés dans les étages supérieurs de la tour, et seul le président Chéreuse et son assistante ont le droit d'accéder au sommet. On y est presque, courage! J'aime bien comme c'est un énorme quiproquo, tant genre juste... tout va bien quoi, genre c'est juste qu'il dramatise, hein, pour rien. Ah, c'est classe. Ah tiens, livre. Ah pardon, faut bouger. Bienvenue à l'étage supérieur. Pardon. Bienvenue à l'étage exclusivement réservé au président Chéreuse. Nous sommes à 300 mètres d'altitude. Je vois que vous avez su vous défaire de mes substalternes impressionnants. Je pense à entrevoir pourquoi Tarak vous a porté tant d'intérêt. Mais assez joué. Il est temps de rentrer chez vous maintenant. Car, voyez-vous, je ne laisserai jamais personne me se dresser en travers du chemin de Monsieur Chéreuse. Commençons par toi, Jaco. Si je te mets hors d'état de nuire, le maître arrêta de ne penser qu'à ce combat et écoutera enfin les sages paroles du président. Ah la vache, elle est déterre. Ah bah elle est folle. Bombardique. Qu'est-ce qu'il est beau ce Pokémon. C'était pas un bon bail de commencer par lui. Ouais, non, je vais apprendre de mes erreurs. Et on va utiliser les bons Pokémon contre les bons Pokémon. Vent glace, ouais. J'ai envie de perdre encore un Pokémon, moi, voyez-vous. On perd en vitesse. C'est pas grave, un petit ballon pour le moment, ça devrait aller. Ça part et ça tue. J'aimerais bien que Martic ait une méga évolution, si jamais la méga évolution revient un jour. Petit insolent, comment as-tu blessé mon Pokémon de la sorte? Elle est vraiment pas contente, hein. Celle-là c'est de mon tenu. 37. Milobelus, on va changer.
Ah, là, j'avoue que ça aurait été pas mal d'avoir Solar Sun pour ça, mais... Alors, Milobulus est un type eau pure. Alors, on va pouvoir sortir, on va sortir le Noacir. Ça aurait été bon. C'est vraiment bon qu'on l'avait pas eu, Noacir. Alors, Milobulus. En espérant qu'on rate pas le méga fouet. Anneau Hydro, ça lui permet de se soigner à chaque fin de tour. Le méga fouet qui part. Ça tue. Nice. Ensuite, Malamandre. C'est quoi déjà ce Pokémon? Malamandre. Hein, je n'en ai aucune idée. Je pars du principe. Je sais pas si c'est pas l'évolution de... Non, je sais vraiment pas qui c'est, mais peut-être que c'est le Pokémon de type feu de la 7ème génération. C'est peut-être lui. Malamandre est bel et bien le Pokémon de feu de la 7ème génération. Cool, bonne mémoire. Donc Telluriforce, c'est bon. J'aurais pu envoyer aussi Léviator, oui, c'est sûr. Mais au moins, on a déjà notre petit Trioxyde en place pour le prochain. Si jamais il est faible à nos attaques. Sucraine, j'ai menti. J'ai totalement menti. On va sur nos aciers. C'est le type fée, un des types fées de la 7ème génération, lui, je crois. Ah, mais non! C'est lui. Mince. Est-ce qu'il était de type fée, du coup? Ah, zut. J'ai inversé avec Sucoren. Je sais plus le nom de celui que auquel je pensais. Et du coup, on va aller sur notre Birobit. Je sais pas s'il est plante fée ou plante pure. Je pense qu'il doit être plante pure. La botte secrète. Belle animation. Un coup critique, quand même. Ah, et un drop en... attaque, ça c'est pas bon. Mais je pense que ballon brûlant avec le stab devrait faire largement la différence. Exactement. Super. Plus qu'un. Le level 67. Et le level 39 pour Salafène. Miasmax. C'est un type poison. Ok. Bon, vu que c'est le dernier Pokémon, on va Gigamax, cette fois-ci on n'oubliera pas. Et l'attaque Sol Gigamax devrait facilement le tuer, je pense. Mon dernier Pokémon, je ne crois pas que je vais te laisser, gagner si facilement. Je me demande si elle peut Gigamax son Pokémon. En tout cas, nous c'est ce qu'on va faire. Ah, il est classe. Tu assistes à l'impossible. Admire donc un Pokémon Gigamax dans la chouette. Ouais, bah c'est ce qu'on vient de faire à l'instant. Ah, Miasmax Gigantamax. Il est marrant. Un énorme sac poubelle. 6 sous max. Alors, est-ce que ça va one shot ou pas? Oui! Super! Bien joué, Trioxyde. La tanche qu'elle tire. Comment je fais pour perdre ainsi? Je suis vraiment pas à la hauteur. Ah, quelle erreur, je n'aurais pas dû sous-estimer un challenger finaliste. Je comptais vous retenir par tous les moyens possibles, mais après tout, peu importe. Les stalls sont ont été rassemblés, c'est tout ce qui compte. Tu gères, Jaco. Vous êtes vraiment une équipe du tonnerre avec Trioxyde. Allez, ciao! Monsieur le Président, je continuerai les préparatifs pour vous. D'accord, donc ils étaient bien sur le même... on était bien au même endroit, donc ils ont pas capté les combats, les trucs comme ça. C'est quoi cette animation? Ils sont obligés de faire une cinématique ou quoi? Darak, nous en avons discuté maintes fois.
Pourquoi refuses-tu de comprendre? J'en attendais plus du maître de Galar. Ah mais j'ai très bien compris le problème, monsieur le président. Ce qui m'échappe, c'est pourquoi vous vous affolez maintenant pour une crise qui n'arrivera que dans 1000 ans? Pourquoi annuler le tournoi? Cela ne peut pas attendre un jour de plus? Mon devoir en tant que maître de Galar est de m'assurer que le tournoi se déroule bien. Je le fais pour le public de Galar, et un peu pour moi aussi. Décidément, Tarak, tu n'y comprends vraiment rien. Ouvre les yeux, enfin, regarde notre belle région. Dans 1000 ans, tous ces merveilleux paysages. Ces merveilleux paysages seront ruinés par la crise énergétique. Dans 1000 ans, le public de Galar auquel tu tiens tant ne sera plus. C'est pour cela qu'il n'y a pas une minute à perdre, encore moins une journée entière. Si nous voulons sauver Galar de son tragique destin, nous devons agir immédiatement. Dans 1000 ans, monsieur le président. D'accord, je crois que je vois ce qui vous inquiète. Je vous aiderai, mais seulement après le match de demain. Alors, Frangin, déjà venu au restaurant du Conseil inquiété, on est venu le chercher. Même Rosemary, Peterson et la Team Yale nous ont aidé à venir jusqu'ici. Je suis absolument navré de t'avoir inquiété de la sorte, mon cher Nabil. Nous avons un petit différend à régler entre adultes, vois-tu. Mais enfin, c'est pas à vous deux. Retournez à l'hôtel et commandez ce que vous voulez, c'est le maître qui régale. Je suis déter. Monsieur le Président, j'espère que vous assisterez au match demain. Ce sera un combat historique, c'est sûr et certain. Historique, dis-tu. On verra. Il se passera quelque chose d'historique, oui. Cela, je peux te le promettre. Ok! Donc le grand méchant, c'était Monsieur Chéreuse. Si on peut appeler ça un méchant. Le lendemain. C'est le jour J. J'espère que t'as bien dormi. Moi, j'ai grave le trac. Je sais même pas pourquoi, vu que c'est pas moi qui vais combattre. Jaco, le tournoi des champions va commencer. Venez, je vais vous mener au stade. Oh, d'où tu nous parles comme si on n'y rien été. On n'a pas oublié ce qui s'est passé hier. Un pas de plus, c'est moi et Pierrot But en traite. Attendez, il y a mépris, je suis dans le camp des gentils, moi. J'ai entendu parler des événements d'hier. Madame Lynn est vraiment prête à tout pour assister notre président, vous comprenez? Il semblerait qu'elle se soit formée une garde rapprochée qui n'hésite pas à avoir recours à la force, mais je n'en fais pas partie. Tous les employés présents aujourd'hui sont dignes de confiance, Nerek crainte. On peut les reconnaître, alors le soleil, vous en faites pas. Ouais, ok, je suis moyen convaincu, mais bon, avec tout ça, c'est l'heure, Jaco. J'ai trop hâte de voir ce qu'on va. De trouver. De quoi? Souhaitez-vous que je vous accompagne au stade? Ouais. Suivez-moi, je vous prie. Hey, Jaco, c'est ton heure! Le monde entier va te regarder te battre dans le temple des combats de Pokémon Galar. Pardon? Le stade de Winscore. C'est le moment de donner tout ce que tu as. Vas-y, fonce t'inscrire! On n'est pas inscrit d'office? Oh, nice. Oh, mon héros. Oh, oui, c'est moi le bol masqué. Toi qui rêves de Pokéball et d'eau fraîche, j'ai un cadeau à t'offrir. Oh, une Rave Ball. La révolte permet de capturer plus facilement les Pokémon endormis. Et c'est là, avec des Pokémon qui connaissent Hypnose Bayement. Grâce à elle, tes rêves de capture deviendront réalité. Trop de la balle. Alors, juste, qui est-ce qu'on a en lead? Trioxide. Écoutez, Noatio, c'est vraiment qu'on l'a pas trop vu, du coup, je vais mettre lui plutôt à la place. Et je pense qu'on peut y aller. Jaco, je vous attendais. Vous avez remporté le tournoi de Meillet. Vous allez maintenant prendre part au tournoi des champions auquel participent ces champions. De Galar, ils seront pas sans pitié, car le vainqueur du tournoi garde le droit de défier le maître. Êtes-vous prêt à passer au vestiaire? Oui. Parfait, je vous y emmène. C'est sympathique du coup, hein. Soit du coup, j'aime bien cette idée de montrer comment est-ce qu'un champion peut-il passer au rang supérieur en fait, vous voyez. J'avoue que j'aime beaucoup l'idée. La cérémonie d'ouverture du tournoi des champions va commencer. J'arrive à la terrain dès que vous serez prêt. On peut parler à tout le monde. Je suis ravi de te revoir. J'espère que ton équipe est top. Vous montrez à la hauteur de ce tournoi comparé au défi des arènes. Le niveau est tout autre. Ok. Je suis venu tenter ma chance au tournoi des champions. Imagine la fierté des gens de Smashing si je gagne sur le max. Ça va être compliqué. J'ai tenté. C'est pas ouf. Je vais terrasser tout le monde pour enfin faire face à Tarak et lui montrer qui est le plus fort. Je le dois à Duralgon et à tous les Pokémon qui m'ont aidé à arriver jusqu'ici et à mes fans, bien sûr. Mon cœur bat la chamade, j'ai vraiment hâte que les matchs commencent. Pour se rouler en compétition, il faut toujours être prêt à relever n'importe quel défi. Toujours chercher à dépasser ses limites, c'est ça être en dessous Pokémon. T'auras à peine le temps de cligner les yeux dès que mon match sera déjà terminé. Mon équipe et moi, on va vous mettre en plein la vue.
Je dois affronter le roi et en premier, j'ai vraiment pas de chance. J'imagine qu'il combat plus la météo à son avantage, mais je me laisserai pas faire. C'est parti. Cérémonie d'ouverture vient de commencer. Êtes-vous prêts? Ouais. Alors allez-y. Parfait. Qui va être notre premier adversaire? Bonjour à tous, c'est moi Tarak, le maître. Le président de la ligue a eu un empêchement, je me permets donc de le remplacer. Aujourd'hui, les comptes Pokémon vont atteindre de nouveaux sommets. Aujourd'hui, je veux que le plus fort d'entre vous émerge pour m'affronter. Sur ce, je déclare le tournoi des champions ouvert. Nice. Un instant. Quoi? Ah, lui. C'est qui? Mesdames et messieurs, si je peux réclamer votre attention un instant, bien. Si vous souvenez de moi, moi, Travis, le jeune qui est dresseur qui a été forcé de se retirer du défi des arènes. Moi qui ai vu mes espoirs voler en éclats alors qu'une longue carrière m'attendait. C'est Travis, le challenger recommandé par le président Shiroz en personne. Il se trouve que j'ai un compte à régler avec Jaco. Si j'ai bien conscience que cela... J'ai bien conscience que cela va à l'encontre des règles du tournoi, mais j'en appelle à votre courtoisie. Laissez-moi combattre aujourd'hui. Je mets toute ma carrière de dresseur en jeu. Si je perds ce combat, je jure solennellement de ne plus jamais prendre part à un combat Pokémon et de renoncer à prendre la tête de l'arène de type fée. Oh là là, quel coup de titade! Qui aurait pu imaginer cela? Le challenger Travis, qui a non seulement perdu toutes les spins de lui et sa voix, et lui qui avait raccroché ses Pokéballs et de retour pour demander un dernier combat. La régie est actuellement en train de décider quoi faire. Quelle situation exceptionnelle, les chers spectateurs et téléspectateurs. Merci de patienter quelques instants. Je sais bien que je outrepasse mes droits, mais c'est plus fort que moi, je ne peux rester sur une telle humiliation. Tout allait à merveille dans ma vie avant que tu ne débarques et viennes tout gâcher. J'ai rassemblé des étoiles de feu sans relâche pour le président à la demande de Liv. Et tout ça pourquoi? Pour être étoile leur répertoire sans autre forme de pensée. Et ensuite quoi? Une vieille sorte de nulle part pour me mouspiller jour et nuit, me harceler avec le type fée. Le matin, un quiz sur le type fée. L'après-midi, combat avec des Pokémon de type fée. Le soir, pour ne pas changer, encore un quiz sur le type fée. Je crois que j'ai eu ma dose de féerie pour toute une vie. Et qu'on parle pas de la couleur rose, car je l'ai peinte en profonde horreur. Regarde à ce que quoi, je suis réduit, d'impitoyer sur mon sort auprès de toi. Mais je vaux mieux que ça. Mesdames et messieurs, une décision a été prise, elle vient du maître lui-même. La demande de Travis a été acceptée, quelle magnanimité. Ou serait-ce une manière pour notre maître de tester les talents de Jaco le Challenger? Quand Travis n'a pas dit son dernier mot, en voici la preuve. Sa voix a complètement changé entre temps. Travis, le champion d'arène veut se battre. Mais c'est débile. Donc ouais, on a bien fait de changer pour nous essayer et pas avoir gardé Truxy dans l'île. J'ai entendu tant de choses pour arriver jusqu'ici. La victoire ne peut plus m'échapper. On va commencer par une tête de fer. Le problème c'est que ce Pokémon là est de type acier fée, donc du coup il craint pas les attaques de type acier, mais en tout cas pour les prochains, ça sera nettement mieux. Ah dommage. Quoique vu qu'il est plus rapide que nous, il va juste... Non, une guérison. Bon bah laissons lui l'utiliser. Ah la vache. Tête de fer. Dans l'orange cette fois-ci. La chouille. Ça fait pas mal donc ça va. Quoique notre défense a baissé, hein, de 2 crans je crois. Il se blesse en attaquant. La tête de fer veut le finir. Parfait. Ensuite, garde-voir. Garde-voir attaque sur en spécial, donc notre droit de défense n'est pas grave. Du coup, notre tête de fer devrait largement faire le café. Psycho. Ça va. Malheureusement, vu que lui, il attaque sur... Ah, la défense spéciale. Ah ouais, non, il a beaucoup... Ses défenses sont beaucoup trop baissées. Il va falloir le switch, je pense. Même si, il fait bien le café, c'est sûr. Ça monte de level tranquillement. Est-ce que j'aurais pas des Pokémon... Direct toxique. Qui c'est qui va prendre direct toxique? Ah, c'est toi. Bon, après son point de gigotage. Level 40, faudrait au moins qu'il atteigne level 50 pour qu'on puisse le sortir. Hein.
Et ensuite Galopa. On a quoi? On a Séiz, on a Crogive, Vibroscure, Téléphone, Volcanchoc. Ah, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Hein. En même temps, nos défenses sont trop baissées, donc partons sur Léviator. Galopa. L'intimidation. Je dois vous avouer que j'aime pas trop trop le... J'aime beaucoup le style qu'ils ont fait à Galopa, mais je dois vous avouer que j'aime pas beaucoup l'évolution. Bonita, il y avait vraiment un truc à faire. Mais je sais pas, l'ondulation des cheveux, la manière dont... Je sais pas, la crinière est pas ouf. Dommage, hein, parce que... Et en plus, le Pokémon est pas ouf. Mais parce que sinon, ça aurait été un très bon... Je pense que j'aurais pu kiffer le Pokémon, sinon. Bah, il était le premier. Sans silence. Ouais, bien écoutez, si... Si tu crois avoir gagné, tu le mets les doigts dans l'œil jusqu'au coude. Attendez, c'est son dernier, j'avais pas fait gaffe. Ouais, c'est son dernier. Du coup, va falloir y aller. Est-ce que j'y vais directement avec lui? Ouais. Bon, allez, je pense que ça peut le faire. On aurait dû reprendre nos aciers. Donc après, je crois que Sorcilence a accès à une attaque de type feu, donc il pourrait facilement nous tuer notre aussi. Tu vas goûter un peu de féerie. Admire la forme Gigamax de Sorcilence. Bon lancer. Ah, il est marrant ton Pokémon normal Gigamax. Hydromax. Voyons les dégâts. Oh bah. Tranquille. On a même pas eu la pluie. Ah, un coup critique, d'accord, ouais. On a eu de la chance. Et level 41. Super. Et la pluie s'abat sur le terrain. J'ai peut-être perdu, mais au moins j'ai pu démontrer l'excellence des Pokémon Père. Bah non, en fait. Oh rage, oh désespoir, oh défaite ennemie. Incroyable, Jaco et sa fidèle équipe ont triomphé du défi lancé par le challenger Travis. Bravo Travis, c'était un super combat. Et on va te revoir au prochain tournoi, ne baisse pas les bras. Oh, que faire, je suis décontenancé. J'avais tout prévu, si je gagnais, j'obtenais ma revanche tant attendue, et si je perdais, eh bien ma foi, au moins j'étais débarrassé de l'autre vieille folle. Et avec tant d'encouragement, comment puis-je décemment abandonner ma carrière de dresseur impossible? Maintenant, je n'ai plus d'autre choix que celui de continuer d'être le champion de type fée. Oh, cruelle destinée, ne suis-je que ton jouet? Enfin, il va sans dire qu'avec ton talent hors du commun, ce sera un jeu d'enfant pour moi de dépasser Sally et de prendre sa relève, et je m'y appliquerai. Le stade est en effervescence après ce combat, riche en émotions. Le challenger Jaco se dirige maintenant vers les vestiaires afin de se reposer après ce match inattendu. J'aime bien comme Minar. Oh, et bien, on peut dire que Travis s'est passé maître dans l'art du coup de théâtre. Bien, si vous êtes prêts, veuillez gagner le terrain, le tournoi des champions va enfin commencer. Ah, d'accord. Est-ce que nos Pokémon sont soignés néanmoins? Oui, ils le sont. Et je pense qu'on va s'arrêter là, voyez-vous, à deux combats riches en émotions. On a eu Liv, on a eu Travis, on a eu pas mal de choses, pas mal d'histoires. Le président Cheros qui mijote quelque chose dont on ne sait pas encore la couleur. En tout cas, ça, on le verra dans la suite de notre Let's Play. Sur ce, je vous laisse ici. Je vous dis à la prochaine. C'était Jaco, ciao, et passez une très bonne journée.